Le conseil, ça qu'a parlé en la conseil et présidentiel transition. Côté que Jean-Pierre Lacterdil, c'est un conseil présidentiel transition de CARICOM, de OEA, de BINU, de les États-Unis, de la communauté internationale et des anti-clics acteurs politiques en d'un pays. Hein. Mais c'est pas un conseil présidentiel transition grande majorité. Hein. Bien que nous connaissions plusieurs propositions qui sont sous table. Avant même conseil présidentiel, 9 membres qui ont parlé de côté CARICOM, un conseil présidentiel 3 membres qui était signé à travers une déclaration qui portait date 5 mars côté que te gen la dan réveil national comme un gros estricti qui gen plusieurs une centaine partis politiques qui signé et en même temps tout gen un plusieurs milliers organisations qui signé document ça ensemble avec plateforme Petit Dessalines de Jean-Charles Moïse qui ont même t'appelé proposer ça ne relé alors qui t'ai dit clairement que je pour au conseil présidentiel 3 membres avec Guy Philippe Nantelli comme président, juge Durin Durin Junior comme membre et puis docteur François Saint-Ville-Villiers comme membre. Et ouais, en pile mouvement que t'as fait dernier temps ça yo, yo t'es chita, yo t'es metté accent mais sous question conseil présidentiel 3 membres blanc. Et en pile monte campé, monte au créneau, monte dans la presse, fait deux mouvements, yo dit que yo pas dans conseil 9 membres CARICOM. À tel point que Jean-Charles Moïse, dans plusieurs conférences que le débat, et dans toute dernière sortie vers la yo, lui même mandé peuple pour voyager conseil ça, et parce que le dit conseil ça, lui prend coûter l'État trop dépenses parce que 9 conseillers en raison de 3 machines à yo chaque, qui prend 27 machines, faut que yo gagne deuxième résidence, faut que yo gagne pile sécurité, son pile dépenses qui prend venir pour l'État, alors que l'État pas gagne rien pour ça yo. En même on t'a dit que, mais non, moun qui t'a voyé représenter est-ce que tu as représentant, tu as une place pour Petit Dessalines et qui pas de jambe, tu as voyé moun, bien que, alors qui pas de jambe, voyé moun, à me dire, bien que Jean-Charles Moïse te dit clairement que, li te parle avec autorité CARICOM yo, mais il pas de jambe dit en détail ça que tu dit, dans le qu'il te parle avec autorité CARICOM yo. A bien dire, c'est vrai, ou est-ce qu'il t'a fait plus éloge autorité CARICOM yo, ou est-ce qu'il te dit, mais ça ne te discuté, mais ça que tu es sorti, non, 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 ça. Ça va empêcher que, un miel clair, et dans une soirée qui était mercredi 20 mars, non, en plus, mon tap kal gade, étendez que Petit Dessalines voyait mettre Emmanuel Vertiller comme représentant Petit Dessalines dans le conseil présidentiel transition. Mais jusqu'à jeudi, qui c'est 21 mars, non, pas jamais de monde qui jamais tende, ou bien à travers un texte ou, à travers notre vocal, que Yotaka dit que, eh bien, mais ça, Jean-Charles Moïse dit, ou dis-moi ce que le démenti, ou dis-moi ce que ça passe. En tout cas, l'irrité pour que les députés de Salines capable de dire avec Nation, qui ça exactement dossier est, et est-ce qu'effectivement, ça cap dit assez vrai ou pas, nous allons regarder ça. Situation pas changée dans Pétionville, dans la capitale haïtienne, pour nous dire bien, après-midi, jeudi 21 mars, en pile coup de balle chanté dans le périmètre chaîne mars, et même monde qui veut prendre balle, c'est encore monsieur Vivant Samyo qui a tenté progresser dans périmètre Chan Masnan. J'ai te dit hein, yo visé pour palais national, yo visé pour commissaire de Port-au-Prince et yo visé pour un ensemble de bases policiers et l'armée qui Chan Masnan. Est-ce que la police, l'armée a baissé les bras? Est-ce qu'il a continué côté avec les armées? Nous va regarder ça yo avec invité hein, jeudi dans l'émission hein, Desi Venès comment on est avec les invité hein. Ben, nous faisons au poste. Aujourd'hui, la situation a toujours été très tendue. En pile panique dans la capitale pays. Surtout, base IDMO, l'été fait partie ensemble zone cible que Nek Vivant Samyo te gagné. En pile coup d'âme te tiré dans la direction côté monsieur Nek Vivant Samyo te entendu. Te fait au moins 4 têtes pour te capable de bailler une attaque à cibler avec monsieur IDMO. Une situation qui était la cause. En pile coup d'âme t'a chanté. Même Jean ou Dil dans le périmètre Champ de Mars pour au moins dans toute zone national, en pile monde, t'es remarqué, c'était gros couille pour nous être capable de rentrer la caillou. Conseil présidentiel, trois membres, Jean-Charles Guy Philippe Lan, juge Durin, avec madame Villiers, t'es bien pour te installer dans journée vendredi, et bien malheureusement, c'est tendé, ensemble, monde, ça a tendé, Blaise Peterson, que Moïse Jean-Charles l'échappé, la joigne et conseil coulève cette tête, Jean, Moïse Jean-Charles te connaît traité l'IA, conseil créé présidentiel dans CARICOM, yon coup qui baille en pile qui cassé avec ensemble militants et acteurs qui te fait confiance avec Moïse Jean-Charles, sans doute en pile qui déjà dit. Bayo yon kounando et mounyo dans tout dernier moment yo yo pa pran temps pour yo comparer niveau complaisance et ancien sénateur noir Moïse Jean-Charles a théorie yo fait quoi moun sa yo pas différent des modèles tempérament ak façon que yo agit et bien et c'est des aboulotio
qualifié dans ça qui est pour avec dossier politique n'importe là, yo capable switch dans ça qui a passé journée jeudi en dedans pays à Blaise Peterson. N'a fait un petit rappel des positions que Moïse Jean-Charles t'a gagné à travers un tweet qu'elle a fait sous question et force multinationale qui t'a développé dans le pays. Nous accueillons décision haute cour justice Kenya avec satisfaction. C'est une victoire pour Haïtiens qui campaient en face présence force étrangère et sous terre liberté. Une victoire diplomatique, géopolitique, une autre victoire dans où toujours. Force légale nous avons une capacité pour combattre l'insécurité. C'est volonté qui pas gagné. C'était déclaration Moïse Jean-Charles de fait 28 janvier 2024 là pour Kounia. Sans doute Moïse Jean-Charles a les têtes baissées pour la jeune monsieur dame comme yo dans question vini mission multinationale là en dedans pays. Responsable bureau avocat international yo, nous voulons parler de maître Mario Joseph qui parlait avec la presse dans journée mercredi 20 mars là. Li déclaré c'est États-Unis qui caché derrière CARICOM à conseil présidentiel qui gagne cette tête là pour continuer à plonger pays à nan problème et rendre pays à invivable. Li fait quoi? Quel d'accord avec accord qui te gagne Moïse Jean-Charles à Guy Philippe là. Malheureusement, Moïse Jean-Charles, tu la colle, pas qu'on est. Ensemble de Mounio, est-ce qu'il a toujours été pour mener combat qui permettre que Haïti se tient dans sa lia? Est-ce que conseil présidentiel là, tant que vous annoncé, vous annoncé, vous t'es installé pendant journée, est-ce qu'il a toujours installé? Ça a été comme plus grosse question. Nous pourrons regarder avec un invité. Comment le comprendre? Niveau pion, ça va cap déplacer. Parce que chaque fois, n'est-ce pas déplacé? Yo dit politique, c'est ligne brisée. Yo dit politique, c'est jeune intérêt. Et sans doute, Moïse Jean-Charles Bralziou, moun qui a parlé, yo, pas comprendre, et phénomène qui a passé en dedans pays d'Haïti là, c'est phénomène géopolitique. Nous pas comprendre ni. On nous retient pour nous accuser ça pral côté Blaise Peterson parce que son bataille diplomatique qu'a fait dans le pays d'Haïti je dis qui l'a gagné de tout non problème nous par contre accuser que haïtien doit adresser. On l'autre fois nous saluons tous les amis internautes qui branchent tout partout dans quatre coins cardinaux la terre. Nous souhaitons liker, commenter, abonner, si vous faites cliquer sur channel là, invitez un mot avec famille d'une jeune message nouvelle Blaise Info pas une nouvelle avec votre canal basse et toute l'autre plateforme qui connecte ça avec nous. Et lui Jean Chenet, comment est Guy Ephraim? Blaise, mon cher, nous va en forme parce que le pays va très mal. Mais quand même, qui t'aime saluer très fort, moi, saluer Désir, qui se tombe le rallye là. Moi, saluer fidèle, auditoire qu'on gagne internautio. Quand qu'on j'en désire, tout le monde nous dit pour yo partager, commenter, like. Émission ça parce que nous allons parler d'un pile lobe là, un pile causé pour parler. Et que nous disons, et bonne écoute, et que nous allons parler de l'actualité pays en grand monde. Premièrement, on a regardé des questions qui est pour avec le conseil présidentiel et on dit bien qu'à parler de côté autorité CARICOM. Nous même à travers le mouvement point final, Ulysse Jean Chenet. Et d'abord, qui première réaction sur ça dans la question conseil, ça qu'a parlé en là? Et comme on voit, ensemble de acteurs qui vont représenter au dernier tout d'abord. Qui position réaction sur la question conseil ça? Et comment on voit d'abord? Non, nous faisons un pile réaction déjà. Le conseil présidentiel de sept membres par rapport à la réalité sociale, politique et économique d'Haïti actuellement n'est pas de mise. Le pourquoi? Quand vous allez avoir un conseil électoral, un conseil présidentiel, je m'excuse, de sept membres, cela veut dire quoi? Vous allez avoir sept bureaux présidentiels, sept cabinets présidentiels, sept bureaux première dame, sept cortèges présidentiels, sept qualités l'autre bagarre en termes d'avantages incitatifs. Maintenant, l'une des crises majeures que nous connaissons actuellement dans le pays, c'est une crise économique à nul autre pareil. Parce que le pays connaît environ 6 années consécutives de récession économique. Cela veut dire quoi? Pour un pays de petite économie comme Haïti, 5 ans ou bien 6 ans de récession économique, il déjà avait dit que nous sommes en face d'un effondrement économique pour le pays. Meilleur bagage qu'on fait actuellement, c'est mettre en place un système d'austérité économique.
c'est-à-dire pour éviter gaspillage, ressources économiques que l'État gagne actuellement. Mais maintenant, quand vous allez avoir un conseil présidentiel de 7 membres, c'est-à-dire c'est déjà une structure budgétivore. C'est-à-dire que le plan économique, ça n'est pas adapté à la réalité économique du pays. Maintenant, au regard de la crise politique que nous connaissons actuellement dans le pays, lorsque vous allez avoir 7 conseillers présidentiels issus de 7 horizons différents, cela veut dire quoi? On va avoir un système dysfonctionnel, un système conflictuel, parce que l'opéral prend PHTK, ou mettez en face Lavalas, c'est l'obéi. L'opéral prend Montana, ou mettez en face équipe Jovenel, c'est l'obéi. L'opéral prend l'autre entité qui paguait habitude de travailler ensemble, c'est l'obéi. Et au regard de la Constitution, le Conseil présidentiel est inconstitutionnel. Pas de aucun élément dans la Constitution, hein, que ce soit la Constitution 29-87 amendée ou non amendée, qui bat aucune référence légale qui est capable de faire ou même penser ou même rêver mettre un Conseil présidentiel. C'est-à-dire, au regard de tous ces éléments-là, et c'est une extrapolation de la crise haïtienne, là où prend un conseil présidentiel pour mettre en place. Et quand même, ça l'a fait à bien propre. Ça veut dire là pour nous-mêmes, c'est pas un conseil qui prend au bénéfice des peuples haïtiens, mais c'est plutôt un conseil qui a au bénéfice de ensemble de entités qui vont représenter au là. Et même Darabadi, c'est un conseil qui prend au bénéfice de la communauté internationale. On a dit mais CARICOM et corps groupe BINU et Darabadi, les pays occidentaux qui campent derrière ça. Exactement. C'est tel monde qui a intérêt dans ça qu'a fait dans c'est l'Occident. Même parti politique ou bien entité qui voyait moun yo, yo pa gen kin intérêt. Bon bral tout yo Blaise. Oubliez que un an ou bien environ 18 mois de cela, communauté internationale là, gon série de décisions que y a prend contre une série de grands acteurs politiques qui de connivence ou bien qui impliqué dans la question insécurité en dans le pays. Monsieur Yosante ratiboisé un paquet de gros acteurs politiques avec décision ça yo parmi eux nous capable citer on est quand Yuri la torture ou qui manquait bataille en pile on est quand Lambert un paquet d'autres acteurs. Mais maintenant le conseil présidentiel la communauté internationale a metté sous pied pour détruire la politique là. Tout élément, tout parti politique qui voyait moun en dedans conseil ça yo, c'était quoi blesse, tout parti politique ça va craser. Ne pas exister encore et d'ailleurs, il y a deux conditions majeures que et communauté internationale la mettait en place pour d'accord pour faire partie du conseil présidentiel là. Un, faut qu'on d'accord force multinationale la rentrer dans pays. Deuxième bagarre là, ou pas gagne nul droit pour contester résultat électoral ça venir. Ça veut dire que son élection bouille vidée, que blanc pral baou et que ou pral senekta ou valil, qu'on le veut ou non. C'est-à-dire, parti politique qui prend vite, voyez moun dans le conseil présidentiel, ça, yo tout pral éliminer ce cité politique-là. C'est grave. Non, mais quand même, yo qui doit éliminer de façon visible par rapport avec comme c'est là, dit la valasse, voyez moun, baga ça, mais yo qui doit pral répartir sur l'autre forme encore, bah, m'gonne. Mais ta l'air, ou dit que, et on regarde alors ensemble de critiques qu'a voyé de représentants là et Jean Chenet, ça montre que comme si c'est pas des gens qui sortent dans de même appartenance même chapeau politique, mais que des gens qui allaient plus loin, yo regarder l'autre majorité monde qui va faire partie conseil là, yo presque gain même racine qui sortent même côté. C'est comme quand t'as dit yo toute la valasse, même les jeudi gain ou t'as dit PHTK était journaliste, mais le regarder racine originio, c'est comme si même bagaille yo c'est la valasse, ça veut dire c'est la valasse qui va faire partie conseil ça, il va gagner la dérange. Soit dit avec mon qui ou elle conseille. C'est presque faux. C'est tout à fait normal. Après 86, mouvance politique qui drainait, c'était mouvement Lavalas. C'est pas étonnant
tout parti. Même PHTK a une brèche dans la valasse là-dedans, lui-même. Son paquet nègre qui dans la valasse après premier coup d'État, après deuxième coup d'État, qui quitte la valasse, qui allait rejoindre Matéli, qui montait Bagay et PHTK. Bagala sommel ten kote liye jounen jodi an, kon leve ou non, kel ke soa an ou pran, de pou rekoupe yon paket strikti politik, wapwe yo gen racine, la valas. Pase mouvan, la valas ket nan, li pa vle di fami la valas, non? Okay. Moun yo pe de kon fond bagay sa, lò pran ou ne kakou Edgar Leblan fi. Li nan mouvan, la valas ket nan, men li pa vle di ke nan fami la valas. Ou kompren? Pase mouvan sa valas. Nan li pa pou Aristide. Aristide te rale yo rale, se konakom e ban pati sa yo ki vini avek mouvman e bi apre sa yo vin pran Aristide kom un lider karismatik e ki te gon ora nan l'eklize. Yo vin mette lan da kom chef de filan e lèl rive pou tout ek sa yo de yo pran mouvman. Men metenan, son wè kap fèt lan, se eklatman sosyal la menm ke blan pral pou vò fi la. Lò pran ekip nèg sa yo, yo tout genyen vizyon pou yo pran pouvoir dan de mouvèz kondisyon, ou bien nan nenpòt kèl kondisyon, ou mete yo ansanm, an ba an gwo angar, ki ore le palè nasyonal, ki te krasè depi 2010, jounen jodyan ki pou ko mèm rekonstwi, son kote ou kapab pren kakon bagay ou gade kabrit, e ko pral lan, mete yo tout alinye dan de bureau inconfortable, e ko pral palè de peyi avèk nèg sa yo, vous allez voir Blaise qui vivra, verra. En avance, les yeux. Très bien. Jean Chénère, situation pays à connaître la prendre l'autre dimension et il y a pile euphorie qui crée dans le mouvement qui est là. Et pendant CARICOM, département d'État ou bien l'Occident, il y a un conseil, sept têtes, il y aurait le coup de sept têtes, il y aurait le conseil créé et il y a diverses structures politiques dans le pays qui montrer des accords avec proposition ça et gain tout qui allait là-dedans selon vous soit penser d'autre balancer entre les deux comment ouais groupe monde qui allait et comment ouais groupe monde qui pas d'accord et faire compromis avec conseil présidentiel cette tête carré comme là. Très bien, ça c'est une très bonne question. Et bien bras jour là on va connaître une dit là émission ça déjà, nous sommes en face de deux courants politique actuellement dans le pays. Il y a un courant impérialiste supporté par l'Occident ou bien pro-Occident et un courant nationaliste. Le courant du conseil présidentiel, c'est le courant impérialiste ou bien le courant occidental. Et le courant qui vise la Cour de cassation, c'est le courant nationaliste. Ça, c'est un combat extrêmement important et intelligent qu'a mené là. Oubliez que, depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est à Kimbe, l'Occident à Kimbe, Ariel, pour faire 3 ans, non? Mais il n'y a pas joué un interlocuteur valable qui est capable de défendre l'intérêt. Eh bien, je ne dis pas, comme étant donné qu'il n'y a pas un interlocuteur valable qui est capable de défendre l'intérêt, au lieu pour qu'il risque, dans un seul monde, eh bien, il y a joué Zel Kachowa sous plusieurs mondes. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi de créer un présidentiel, ça qu'ils ont mis sous pied. Maintenant, on n'a pas qu'un gros acteur politique dit non. Et conseil présidentiel de sept membres, c'est un projet de la classe politique haïtienne. Moi, je dis non. Je connais bien propre, c'est pas vrai. Le pouvoir, dans le projet cadre de résolution de la CARICOM en novembre 2023, la CARICOM a déjà proposé un conseil présidentiel de 7 membres avec un organe de contrôle et un conseil national de sécurité. À tel point, nous autres, au niveau du mouvement Point Final, nous avons dénoncé cette proposition. Seul point nous avons réservé pour lui, c'était le point Conseil national de sécurité que nous avons admis que c'était une bonne chose. C'est-à-dire, le projet de conseil présidentiel de 7 membres, c'était un projet fondamentalement de la communauté internationale. Oulaï,
Mla, Très bien. mla, mla. Ok, très bien, Élise Janchenet. Je veux dire, on essaie de regarder. Tu as gagné un groupe, on a gagné une structure politique qui est le Réveil National, qui fait un seul avec Petite Dessaline, qui drainait un paquet l'autre organisation et structure politique. Dans ce qui est pour avec la signature, une pétition qui vient déboucher sur une déclaration, une proposition sortie crise qui te mettait campé, un conseil présidentiel à trois membres. Nous avons dit dans tout dernier moment, dans le discours, qui drainait la population haïtienne. Non, parce que il y a Guy Philippe là-dedans, qui a Moïse Jean-Charles. Je dis à Moïse Jean-Charles, tu la colle. Qui j'en comprends façon et manière que Moïse Jean-Charles, il tu la colle pour aller dans le conseil présidentiel, créer cette tête. Et que CARICOM sans doute promote avec ensemble des nota bene, ensemble des critères pour le monde qui fait partie du conseil présidentiel. Ça, sans doute, en pile, nous connaissons qui pas reflété avec modèle réalité ou bien modèle discours que Moïse Jean-Charles gagne. Eh bien, et comme étant donné, Guy Philippe est en prison, l'on en prison ou toujours souffre de troubles psycho. Et somatique, peut-être sacrifié Guy Philippe. Moïse Jean-Charles, ce dernier politicien, pour prendre un signe accord avec elle. Monsieur, toujours bon dernier coup pour le baou. Moïse Jean-Charles, c'est un type intelligent. Il n'y a pas remarqué, lorsque Guy Philippe sortit de la prison, hein, li vini avec et question révolution a hein? Un pile monde qui adhéré avec question révolution hein? Malgré nous-mêmes en dans mouvement final c'est pas une révolution nous te ba important parce que révolution veut dire ça veut dire les leaders petit de Saline nan ouais que il y a un pile monde qui adhéré avec mouvement Guy Philippe Blanc monsieur sonne qui remet foule tout et que li pa vle Guy Philippe prend le dessus. Monsieur a rejoint Guy Philippe. Et monsieur, au compte de Guy Philippe, m'a dit l'esprit ou bien loi dans Jérémie, merci beaucoup. C'est qu'on y est là, et Moïse Jean-Charles Balcouan. S'il était un plus tard encore, il était plus fatal encore pour Guy Philippe. Monsieur n'a pas gagné aucun intérêt qu'elle disait que la prise de pouvoir, son malade pouvoir, que Moïse Jean-Charles. Ça vient fait que. Son welfare là, c'est pas un bagage parce que lui, ouais, dans la vision de Guy Philippe, non? Il a besoin, il a juste besoin d'exploiter la popularité que Guy Philippe prend pour utiliser à des fins personnelles. Et bien, c'est ça qui est venu. Comment se fait-il? C'est soit ou dans le conseil présidentiel ou bien on a un coup de cassation. Ou ouais, Moïse Jean-Charles, mercredi, il déclarait nos conférences de presse devant des médias étrangers et des médias locaux, il dénigrait énergiquement le conseil présidentiel. Le lendemain, vous attendez que vous êtes désigné un membre pour qu'il aille dans le conseil présidentiel. C'est un fou. Deuxième bagaille, sur le plan idéologique, le conseil présidentiel n'a rien à voir avec un monde qui gagne l'idéologie de gauche. Troisième bagaille qui est important, si on dit ou pas dans le conseil présidentiel, ou pas dans le conseil présidentiel de 7 membres, conseil présidentiel de 3 membres, toujours été conseil présidentiel. C'est soit que ou pas dans le conseil présidentiel du tout, ou bien on a cours de cassation. Là où dit énergiquement ou pendant le conseil présidentiel de 3 membres, et puis ou même ou proposer un conseil présidentiel de 3 membres. Ça veut dire que c'est intérêt personnel. Oui. Poco. Ou dit, moi, dit, c'est dans le coup de cassation. Ça, c'est ça, Mtado dit. Il dit, pendant la question, conseil présidentiel de 3 membres, c'est pendant tout le monde, ouais. Dans tout discours, moi, il présentait conseil présidentiel à 3 membres, qu'elle te baille, et juge, et c'est Villiers, pas vrai, et Blaise Peterson. Non, conseil 3 membres, c'est là qu'il y a du Philippe là-dedans. Oui. Et il n'a pas dit qu'il prend le conseil présidentiel. Il dit qu'il n'a pas un conseil présidentiel de 7 membres, il y a même un conseil présidentiel de 3 membres. C'était un non-sens.
que ou gen conseil présidentiel de 7 membres, ou gen conseil présidentiel de 3 membres, ou conseil présidentiel rete conseil présidentiel. C'est soit que ou pas dans conseil présidentiel et que ou démontre pas A plus B, mais pour qui ça que ou pas dans conseil présidentiel parce que n'est pas constitutionnel, n'est pas institutionnel, n'est raciste, n'est exclusiviste, n'est pas paquet de défaut, ou bien ou aller dans cour de cassation. Mais c'est pas ça, moi, Jean-Charles lui-même qui fait. Lui dit que lui pas dans conseil présidentiel de 7 membres-là, lui-même, lui dans conseil présidentiel de 3 membres qu'il gagne, qui gagne Guy Philippe, qui gagne François Saint-Vinier, qui gagne et l'autre membre dans la donne. Mais c'est un non-sens. Ça veut dire que c'est incohérent de la part de monsieur, selon même. Exactement. Ça veut dire que son ex intérêt par là seulement que le viser. Et puis c'est ça que fait nec pour ça, c'est dernier monde. Pour t'aller prendre chance, faire un accord politique avec elle. Monsieur, là où elle présente le conseil présidentiel de toi, Mamblian, monsieur, tout 11 h minuit, monsieur, dans la réunion avec le groupe et Congrès national Wana maintenant, monsieur, on connaît que vous êtes d'accord pour la cassation, oui. Et puis là, tout le monde lève le matin à 5 h du matin, allez, elle fait du temps, pas dormi, la veille à 5 h du matin, hein, pour la monter sur la Grand Boulevard. Pour déclarer que mais qui est gagné dans le conseil présidentiel de toi, mon c'est un fou. Ça veut dire politique. Ça veut dire dans la soirée, monsieur, dans la réunion avec mon congrès et voilà maintenant, et pour le dire qu'il est d'accord avec question et coup de cassation, mais dans le même matin, ça veut dire là, quelques heures après, monsieur va l'annoncer quelques conseils de toi, membres. Mais qu'il y a ça, nous dit non. Non, nous dit c'est un fou. Parce que bagala il vient quand on choque, nous pas capable de croire dans la déclaration. Nous vîmes frise. Nous frise. Comme les acteurs politiques que nous y est. Nous réfléchissons et puis nous convoquons une réunion à l'extraordinaire et que nous concluons certains fous, certains malades politiques et que qui par contre ça que l'ab défend. C'est un politicien droite et gauche. Est-ce que ou ce que par contre ça l'ab défend ou dis-moi est-ce que c'est nous pas qu'on est ça l'ab défend? Mais c'est ça l'ab défend. L'ab défend tout intérêt sauf intérêt peuple. Et la défense intérêt personnel, intérêt du groupe, parle comme c'est ça le toujours fait. Il toujours prend poste pas dans le pouvoir et pourtant toujours gagne mon lit, il représente dans le pouvoir. Mais c'est ça que la défense, un leader de gauche, c'est un leader populaire qui toujours la défense et tout ça qui a rapport avec la société et avec le peuple. Eh bien, qu'elle dit clairement, c'est un impérialiste lié, il n'a pas besoin de jouer les Américains tout le temps. Il toujours prendre non là où il mettait devant, il toujours prendre non Hugo Chavez il mettait devant, il toujours prendre non Castro il mettait devant, et pourtant c'est intérêt par la défense, il n'est pas capable d'utiliser non Mounio comme ça, pourtant son impérialiste lié, eh bien, et moi Jean-Charles, je veux dire, il est tout uni, il est inscrit en ligne droite dans la poubelle de l'histoire. Kounia, madame, c'est très bien. Mais Kounia, qui ça, ça dit nous-mêmes? Le on nom ta comme Moïse Jean-Charles, il chou la colle, il retire colle bas côté chaise qui était collé avec Guy Philippe Lan, qui peut-être te fait un poids dans modèle bataille qui t'a mené en dedans pays a, et sans doute ça fait non date qui t'a pral paraître historique parce que matin vendredi c'est ta disposition pour t'installer conseil présidentiel que Moïse te collé tête ensemble avec Revella et Guy Philippe pour te mettre campé a. Ça ça dit nous même comme militants. Non, pas ben, comme militant, comme responsable. Attendez. Eh bien, dans un sens, les bons pour nous, terrain a déblayé tête li de par lui-même. Il y avait, depuis quelques semaines là, trois propositions qui étaient sous table. Il y a les gens qui réclament la Cour de cassation. Il y a des gens qui sont adhérés au conseil présidentiel de cette membre, il y a l'équipe de Guy Philippe et de Moïse Jean-Charles qui te gagne conseil présidentiel de trois membres blancs. Automatiquement, et conseil présidentiel de trois membres blancs, lui tombé, vignerait deux acteurs et deux propositions qui sont terrain. Soit que vous admettez dans le cours de cassation que nous relève le courant nationaliste, soit que vous allez dans le conseil présidentiel là que nous relève le courant impérialiste. Qu'on y a la bataille à la vigne claire, qu'on y a la souterrain. C'est une bataille blanc contre les nationaux. Selon vous confirmez, dans ce que vous avancez là, vous devez comprendre que le conseil présidentiel, trois membres blancs, il tout caba, il tout pas existé encore à cause de Jean-Charles qui est à l'école?
Ah, li ba existe encore, au contraire. Bon, on prend un risque, moi, d'île. Nous on rencontre après-midi avec Guy Philippe pour nous connaître qui ça a décidé. Parce que qu'on le veuille ou non, que nous pas Rencontre déconnu, avec c'est Philippe gagné. Bondy. Oui. Et Non, nous fait ça veut dire plusieurs Guy rencontres Philippe. à tout le monde. Attendez, attendez. Guy Philippe qui est à Tchou la colle tout et ensemble des partis politiques et organisations qui te signent déclaration 5 mars. Qui ça va faire avec nous ça? C'est des partis à tout pour nous à départir. Chaque pour nous à chercher rien, nous à chercher espace par eux. Du Et essentiel pour le pouvoir. C'est ça lié. C'est pas question Haïti. nan bouch mwen ou bezwen kon sa, ou ba wè, et Moïse Jean-Charles, de se voir tout le monde ça, ou pas tant de yo, ou même, ou pas tant de émissions de tribune yo. Monsieur, ton coup de talbay moun yo, même. Monsieur, un équipe de se voir en pile, un équipe de le Moïse Jean-Charles là. Et puis, c'est pas la première fois, non? Ou pas wè, non, intensité de mobilisation entière. Et puis, et 18 mai, là, on n'a pas attendu que Moïse Jean-Charles va mobiliser le Grand Nord pour empêcher Ariel Henry à célébrer la fête du drapeau dans le Grand Nord. Ou à la déclaration, et pour vous comme Limaron. Et qui n'a pas bataille, n'a pas bataille, n'a pas dit non, nous pas voulu Ariel Henry. Et pourtant, monsieur le ministre parle de Pocheline en pouvoir, qui c'est ministre intérieur. C'est un truc terrible, Moïse Jean-Charles. Mais qui ça qui explique malgré tout ça que nous essayons de comprendre de l'action le fait nous, dans le coup le fait nous toujours voulons tout. Alors, par contre, si c'est nous, mais toujours quand pile acteur qui toujours, comme si c'était ce même tabac avec elle, à discuter avec elle, à négocier avec elle. Qui ça qui explique ça? Non, c'est un leader charismatique. Même les ou qu'on défaule, ou raille, depuis un mouvement mobilisation des rues contre un régime en place, pas qu'à négliger le nom. Tout les gars politiques, ou pas voulez comprendre ça, et puis disent pas, les gars capacité, hein? Les gars aura, ça n'est pas nous balil. Mais moi, c'est chaque fois la tu la quoi ça la 10 millions d'euros, sinon moi-même. En pile, absolument. Dernier coup, ça prend là. Monsieur, dans la poubelle de l'histoire directement, tu vas chercher le cognier là. Ou pas besoin de chercher la petite dessaline, ou mettre le trier dans la gros poubelle, ou pas, ouais, monsieur. Monsieur, c'est dans la poubelle de l'histoire que l'entrée là. Et d'ailleurs, nous prenons le dire, monsieur, question non pas de la rele partie petite dessaline là, de mettre changer non, et petite la saline pour le rele. Parce que monsieur, dans la poubelle que l'est, c'est dans la poubelle la saline, nous prenons l'interdit, monsieur, pour le rele bagali, en petite dessaline. Dessaline, on est qu'on veut une qualité, on est qu'on veut une chaleur, pas qu'à prendre non, dessaline pour la visualiser n'importe comment, mon cher. En plus, nos militants, petite dessaline, déjà, a fait savoir ou bien déclaré. C'est à la Russie qui mandait avec Maurice Jean-Charles pour le switch, soit pour aller dans le conseil présidentiel, Creil, qui lève cette tête-là, pour aller comme un espion et ou partager l'idée de ça, ou bien ou rejeter. Mon cher, moi je suis là, c'est un petit peu menteur, bluffeur, dans la politique là, mon cher. Monsieur, utilisez non la Russie en pile. Bon, dernièrement, il dit qu'on voyage là aussi, il y a un rendez-vous avec Poutine. Monsieur, pas même lui, je suis dans la capitale russe là même, c'est l'aile où il n'y a pas gagné la régler, et Mbakwe, et Poutine était même au courant si monsieur était là, Kaili, et c'est avec deux, trois étudiants. Haïtien qui tape étudiant aussi, la chita et qui fait chalet manger et non petit restaurant. Monsieur pas même passé bon côté qui gagne bureau Poutinho. Monsieur Sonek a utilisé non leader de gauche et que pour capable faire ouais que il y a le contact international. Monsieur pas gagné un contact. On nous prend question Petro-Caribéa. Monsieur prend pas ce contact que j'ai gagné avec Hugo Chavez et puis Castro, qui fait que Haïti t'a bénéficié de Petro-Caribéen. C'est bluff, mon cher. Monsieur, ok, mettons que c'est à Moïse Jean-Charles qui t'a fait que nous jeunes projets Petro-Caribéen. Monsieur, ta premier coupable dans gagoter l'agence, ça. Le pourquoi? Si on engage l'État au plus haut niveau, dans un projet bilatéral ou bien multilatéral, comme il y a plusieurs pays là-dedans. Et que vous ne pas mettre en cannibalise pour ne pas venir gaspiller l'argent ça, pas utiliser l'argent ça à n'importe quelle fin. Eh bien, 4,2 milliards de dollars, ça, yo. Je n'ai pas le premier monde pour arrêter Moïse Jean-Charles, parce qu'il était une imprudente,
il pas mettre des balises pour t'empêcher que nèg utiliser font ça à des fins personnels. Il bloque le lien. Kounya la, an nou gale sa, si nan retourne sou question conseil sa Ulysse Jean Chouinet, puisque ou même ou clairement à travers mouvement point final non même c'est dans cocassation que nous y est. Et bon, ba konnen si c'est pas nous en ka passé ou bien ça ka passé m'ba konnen. Est-ce que nous même à travers mouvement point final et ensemble de l'autre estricti bien on dit et m'a dit sa déclaration Wanamet et ça Congrès national Wanamet. Est-ce que nous nan question cocassation cassation, nous pas dans question collège et présidentiel transition ça et si nous pas la donne, j'en déjà pas la donne non. Qui ça nous même nous qui la plan nous pour comme des dispositions pour n'empêcher que ça lui même arriver et que conseil ça lui même arriver installer mais que conseil ça que c'est lui qui a mené bac pays. Eh bien nous disons tout à l'heure et la résolution du Congrès national Wanamet, il pas pour nous même congrès qui te sont organisé congrès hein. C'est un projet adopté, approprié par le peuple haïtien. Pas oublier que il y a deux courants actuellement là sur le terrain politique haïtien. Il y a le courant nationaliste et le courant impérialiste. Le courant nationaliste, c'est tout le monde qui veut les cours de cassation, yo, à l'exception André Michel, qui veut le président cours de cassation hein, à travers bagaille 21 décembre, encore 21 décembre. Mais maintenant, et ça vient arriver là. Et ça qui est important, nous devons faire en sorte que nous ne pas inquiéter de ça capable à n'importe quel moment que le conseil présidentiel a installé. Si nous pas installé, nous devons rester tête froide et que au moment opportun, les décisions réelles à venir pour l'appliquer, la pas appliquer de par lui-même. Mettons que la communauté internationale a agi de force, ils ont installé le conseil présidentiel. Le conseil présidentiel ne va pas pouvoir organiser des élections. C'est une structure déjà décliée à l'avance. C'est-à-dire, un mois après, ça va le passer. Et bien, tout le monde sera au conseil après le décrier. Il va venir à la raison. La raison n'est autre que la Cour de cassation. Parce que vérité est toujours minoritaire. Mais, comme étant donné, on dit souvent la défaite du droit est toujours provisoire, et bien tôt ou tard, on verra la raison, ce sera la Cour de cassation. Ça veut dire là, pour mon capteur de nous là, Ulysse Jean Chouinet, c'est dire là, la crise que nous y est là, son crise, et que qui nous pouvons ouais, comme si ou dit moins, qui sont pour le résoudre. Nous pouvons en route là même. Tout autant que nous ne prenons pas route Cour de cassation, nous ne pouvons pas résoudre la crise là. Ou pas, ça me dit dans le début de l'émission, hein? Le conseil présidentiel de la CARICOM, c'est une extrapolation de la crise haïtienne. Il y aurait tiré de langue et monocéphalité qui était gagné, malgré qui relait Ariel Henry la donne, il y a voyé le nom en acte. Et de pluricéphalité, il y a plusieurs têtes. J'ai dit là, on bête à ces têtes. C'est-à-dire que c'est une extrapolation, il y a sorti de un pôle monocéphale, avec un pôle de plusieurs têtes et qui vient là-dedans. C'est-à-dire qu'on forme de complication de la crise haïtienne qui provoquera tôt ou tard une explosion sociale dans le pays. Ce n'est pas sans raison depuis qu'il a parlé de conseil présidentiel là, où le niveau d'insécurité a augmenté considérablement comme ça, où Pétionville actuellement la lié à CG, où Badelmane a crasé toute entreprise, près de 39 entreprises a crasé, où tout côté dans la région métropolitaine, dans ce cadavre à droite, cadavre à gauche que vous avez à tel point que il y a des médias qui est très prisé, qui est obligé de quitter la zone côté OIA, n'est pas crasé et pénitentiaire national avec autant de facilité, n'est pas à fond paquet de délits, pas grand monde qui a un contrôle en c'est une situation chaotique que nous vivons et qui va aggraver avec l'installation du conseil présidentiel qui est capable de conduire exactement vers une explosion sociale ou même vers un génocide. Kounya la, Ulysse Chouinet, en nous gardant ça, puisque l'éclair, on montre que je dis en la, conseil a installé pour un pour deux, nous dans la crise pirate, problème pirate toujours. Et nous souvent, nous même comme des acteurs politiques, et toujours à reprocher, sans relais, l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires interpolitiques paysans.
qui ça que nous-mêmes nous t'ai posé comme action, comme acteur, pour t'empêcher que l'ingérence arrive dans le niveau ça, puisque jusqu'à présent, je dis là, nous, c'est international qui bat nous Ariel, et c'est qui bat nous conseil 7 membres, et nous-mêmes qui c'est de vrais acteurs qui sous scène, qui en Haïti, qui dit mais ça qui doit faire, mais ça qui doit appliquer, nous qui a dit que c'est pour qu'on voit pas nous qui passer, comment que nous-mêmes, nous prenons, et d'abord, on dit une fois pour toutes nous battre contre question ingérence ça, et pour nous dire que définitivement, c'est ça nous-mêmes comme acteurs haïtiens, nous décidons, nous pour payer, car bon pour payer, et lui-même qui vous passez. Eh bien, nous autres, comme acteurs haïtiens conséquents et nationalistes, ce que nous avons fait, c'était de se mettre ensemble pour organiser le Congrès national Wanamet pour la Nouvelle-Haïti. Et c'est ce que nous avons fait du 14 au 21 janvier 2024. Et de ce congrès-là, nous avons abouti à une résolution finale qu'on appelle la résolution finale du Congrès national Wanamet, qui a proposé un gouvernement bicéphale avec un président issu de la Cour de cassation et un premier ministre du consensus national. Et par la suite, comme étant donné par le Parlement, nous proposons pour gagner un organe de contrôle de 11 membres, qui gagne un membre qui a sorti dans chaque département, il fait 10 membres, et un 11e membre qui a sorti dans la diaspora. Et que nous avons fait des routes qui disent clairement, et faire en sorte que, d'une manière urgente et même en extrême urgence, résoudre la crise de l'insécurité et mettre en place des programmes d'apaisement social, que ce soit dans les quartiers populaires de Port-au-Prince et dans les villes de province, essayer de créer des conditions pour relancer l'économie du pays et organiser l'élection générale dans le pays dans un temps record pour retourner à l'ordre constitutionnel et institutionnel dans le pays, parce que présentement, là, pas grand-chose d'institution républicaine qui existait. Nous sommes dans une situation chaotique, nous sommes dans l'anarchie totale, et nous avons toute qualité de problème. C'est ce que nous proposons en tant qu'acteurs nationaux, conséquents, patriotes, nationalistes, qui veulent changement pour pays. Hein. Nous optons pour la Cour de cassation. C'est le travail ça que nous faisons à travers le Congrès national Wanamet. On avance désir. Ou parler de Congrès Wanamet qui pratiquement ouais Cour de cassation, et ou pas ouais un amalgame, là où dit André Michel, et 21 décembre, d'accord, pour aller même côté avec nous. Nous pas craindre pour André Michel par sans doute Albanon coup, même avec Jean-Moi Felbougui. Mon cher, ou un point sur soulever là, c'est un point extrêmement intéressant. Eh bien, Brazo, son coup coquin, nek accord 21 décembre, yon fait, qui sont connus yon fait? Yon d'accord, d'une part, pour yon aller dans le conseil présidentiel là. Yon bataille contre yon, yon bataille contre yon, t'es choisi trois mounes, yon bataille, bako se fait tout cassé, et que yon pas prenant trois mounes, yon alpon l'autre membre, qui c'est Louis-Gérald Gilles, que yon voyez comme représentant du conseil présidentiel là. Mais tout, yon, ouais, j'en politique, c'est traditionnel ça, ou mesdames, men. Yon choisi, yon dit tout comme plan B, si le conseil présidentiel là pas ta passé, eh bien yon tout opté pour cour de cassation avec le juge Jean-Joseph Lebrun comme président de la transition. Il ne faut pas oublier que juge Lebrun a été nommé président de la cour de cassation par Ariel Henry qui était un premier ministre illégitime, illégal, inconstitutionnel et toute qualité bagaille. Et cela veut dire quoi? Yo même tout, yo empoisonné question cour de cassation. Heureusement, nous autres du Congrès national Wanamet, nous avons déjà dit clairement et nous avons déjà jeté des balises comment choisir le représentant de la Cour de cassation. C'était parmi les juges qui ont été nommés régulièrement. Il y avait environ 3 juges qui ont été nommés régulièrement. Parmi eux, il y avait juge Jean-Joseph Lebrun. Et que le fait qu'il était d'accord pour Ariel Henry nommer le président de la Cour de cassation, il vient un soupçon de doute sur lui qui tombait automatiquement. Il y a un deuxième juge qui est le vice-président, qui est le Jean-Claude et Théogène. Lui-même, il n'est pas disponible.
il a un problème de santé, il y a pris soin et ailleurs. Et puis ce juge qui vient rester comme un juge qui répond à toutes les conditions requises par la résolution finale du Congrès national Wanamen, c'est juge Alcénor Barthélémy. Et puis c'est ce juge-là que nous avons jeté notre dévolu pour devenir le 59e président de la République d'Haïti comme condition sine qua non pour résoudre la crise haïtienne définitivement. Très bien. Qui est-ce qui te fait nomination juge ça que nous j'étais dévolu, M. Souli? Là, qui a été nommé comme juge de cassation? Il était là depuis Jovenel, oui. Ben, c'est Jovenel Moïse qui te fait nomination. Exactement, les SAM, quoi, c'était Parlement, parmi le Parlement aussi choisi, et il était transféré le bail président. On connaît pour ces durs, si on nomme les durs. Jovenel était sur pour les galères, mais ni juge Jean-Joseph Lebrun, oui. Il était sur pour normal là, mais devenu pour lui. Donc, on est un niveau ça, on a un niveau coup de cassation, ou qu'on est un. Ce n'est pas la prérogation de premier ministre de nommer des juges. Et que M. Al d'accord que c'est Ariel Henry, un premier ministre de facto, un premier ministre qui vient soupçonner dans la cité dans la question d'assassinat d'un président en fonction, un premier ministre illégitime, et que M. Sapral d'accord que c'est Ariel Henry qui va le nommer comme président pour deux cassations. Eh bien, il n'est pas capable de profiter de ça. N'a pas de contraste. Parce que même Jean nous gardait et on monte pour Ariel Henry qui illégitime, c'était même discours ça pour Jovenel Moïse, dans le moment que sans doute il a fait nomination pour juge que nous déclarer qu'il est ancien pour les cassations. Illégitime, je dis. Non, à l'époque, c'était un Parlement. Il était déjà ratifié par le Parlement. Automatiquement, c'est Parlement. Par le Parlement, c'est lui-même qui pouvoir peuple. Hein. C'est bien dommage. Galvaudé, le Parlement. C'est lui-même qui vraiment représentant peuple dans l'État, oui, maintenant. Mais malheureusement, le Parlement. Parlementaires nous les arrivés dans le Parlement, ils déviés, ils ont quitté fonction, ils ont quitté attribution, ils ont réglé affaires personnelles. Mounsayo, et nous pouvons considérer, nous avons dit toi, Mounsayo, normalement, ils étaient bien nommés. Parce qu'à l'époque, le Parlement n'a pas dit tout ça même. Il était fait objet de critique quand même. Il était fait objet de critique quand même. Parce qu'en pile dans nous t'es gardé, ce sont des parlementaires qui étaient pratiquement constitués des blocs majoritaires. Qui t'a appuyé la présidence, qui t'a fait choix ou bien qui t'a voté et jugeant pour te transférer par Jovenel Moïse. Nous t'a well, c'est un coup, c'est une nomination qui t'a suivi une étape selon nous qui légale, mais elle t'a mis figue mi-raisin. Même mis figue mi-raisin parce que c'est la loi qui trace la procédure là. C'est ça fait nous-mêmes nous dit, nous pas considérer qui ça qui t'a gagné, qui influence qui t'a gagné, comme étant donné c'est la loi qui dit, on pas dans la constitution. Nous ne pouvons pas regarder sous ça. Vertigne que nous faisons, nous garder est-ce que c'est pour normal là? Parce que nous-mêmes, et ça nous vient en résolution, il n'est pas tellement rétroactif. Depuis le procédure a été respecté, nous n'avons pas gagné un problème avec ça. Nous n'avons pas besoin de connaître si c'est parce que vous êtes en Jovenel ou bien est-ce que c'est parce que vous êtes en dans le Parlement. Depuis le coup normal a été respecté, ça n'a pas gardé nous. Vous comprenez? Parce que c'est une démocratie qui c'est la loi qui trace les gens pour un bagage fait. Nous devons nous combler nous en bas ça, la loi dit. Vous comprenez? C'est ça que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Ça veut dire, ensemble d'autres qui te gagnent des parlements et sans doute, ils ont tout plongé. Parce que nous voulons servir avec juge qui est la Cour de cassation qui est licencié. Non. Et d'où tu toujours persister au contraire à tel point que le Parlement n'a pas existé encore. Mais pas parce qu'elle n'a pas existé si on te prend une décision que nous sommes capables de réussir. C'est ça, Mabdo. Parce que les bagages ont été publiés dans le journal de moniteur et que c'était une entité de l'État qui est légalement constituée qui prend. Même lorsque vous avez un problème avec vous, pas qu'à contester des démarches là, non? Parce que des démarches là, l'illégal, l'inconstitutionnel. Parce que nous-mêmes, là, on va faire démocratie, on doit connaître la loi,
de la démocratie n'est autre que la dictature de la loi, ou gagner pour couper ou en bas à la loi dit. Depuis la loi, tu admets ton bagage et que l'histoire suive la loi dit. Depuis la démocratie, tu vas faire, ou pas gagner l'autre choix, non, qui applique, qui admet, lui, oui. Mais c'est ça que nous-mêmes, nous, il n'y a pas arrivé nous deux doigts pour nous contester, yo. Vous comprenez? Qui donne l'expérience de transition que le pays d'Haïti connaît à travers le coup de cassation et qui succède, qui résultat qu'il débat? Après, tu as Pascal Trouillot qui a dit qu'il était sorti là, qui était bas résultat, qui était organisé une élection, qui était libre, crédible et honnête. Est-ce que le pays a été connu et une transition qui était sorti et dans le coup de cassation qui était excellent après, tu as Pascal Trouillot? Ah mais c'est l'autre là, c'était dernier, hein, oui, c'était professeur. Oui. Boniface Alexandre. Oui, Boniface Alexandre, oui. Qu'on le veuille ou non, c'est oui, pas trop influent, mais et en termes de stabilité, il était créé et stabilité. De tempérament, tout, c'est on est comme ça. Pas de monde qui passe dans la faculté de droit, puis il pas connaît Boniface quand on un type qui est compétent, qui est très calme, qui est paisible, qui remet stabilité. Ou est-ce que depuis qu'il est arrivé sous pouvoir, malgré des ordres et Gérald Latour tout à fait, ou pas jamais un jour, il prend micro pour la contester en série de bagailles. Ça, c'était de tempérament li, c'était tempérament li. Qui donc, on se prend deux exemples, et à Pascal Touyo, c'est lui-même qui bat nos meilleurs. Meilleure élection que nous gagnons jeudi en dans pays hein? Et puis nous prend et Boniface Alexandre il y a un monde qui te permet malgré le contexte qu'il te prend à vivre sous pouvoir il te créer stabilité jusqu'à ce que nous t'ai organisé élection et si nous gagnons deux expériences plus ou moins acceptables pour cours de cassation hein? Mais en matière de conseil présidentiel nous pas gagné rien non l'après conseil présidentiel et 1956 ans après départ pour les jeunes Magloire zéro l'après 86 les Jean-Claude Duvalier aller là on mettait conseil présidentiel qui était un groupe dans fille l'autre bande mafia qui était là dans yo zéro ça pas j'aime pas résultat même c'est-à-dire en matière de jurisprudence zéro en matière de légalité zéro en matière de constitutionnalité zéro nous pas grand qu'un intérêt pour nous entrer dans conseil présidentiel et ça me d'apparemment donc comment tu essaies répondre question ça anticiper celui parce que d'apparemment de qui expérience que nous fait déjà avec conseil présidentiel qui passe dans tes pays déjà comment ou tout essayer répondre ni bon ça qui va me poser question bon c'est que ou tout pour tout élément de réponse sur ça mais kounya là et qui ça vraiment que on dit en clair et peut-être parce que amis pour laisser tant de bien et ça va dire là illustrationnaire qui ça en clair vraiment que ou ka reprocher de conseil ça pral conseil ça 1 2 3 4 pour résumer même là t'es devant mais comme si qui ça comme mot clé ou ka reprocher de conseil ça qui arrive mettre là. Très bien. Conseil présidentiel, ça, lui constitué de un paquet d'éléments de l'ancien système politique traditionnel. Ce sont des gardiens du système politique traditionnel. C'est-à-dire, monde qui passait dans l'État, que ce soit que Madame Montpremier, que ce soit l'autre monde qui reprend, que sa fond Jean était dans la Banque centrale, li vend réserve leur pays, etc., etc. On nous prend maintenant sur le plan économique. Sur le plan économique, et actuellement, pays n'a pas gagné pour le payer sept conseillers présidentiels qui pral besoin de sept bureaux. Qui prend besoin de sept cortèges, qui prend besoin de sept qualités et privilèges. C'est-à-dire, par rapport à la crise économique que le pays a traversée, le moment n'est pas approprié pour mettre en place un conseil présidentiel de sept membres. Troisième bagaille, sur le plan politique, le fait que les membres sont issus des horizons différents, ça va créer une forme de dysfonctionnement en dans le conseil présidentiel. C'est-à-dire, le conseil présidentiel sera une structure vraiment conflictuelle. Parce que chaque monde travaille ses intérêts de chapelle pour qu'il passe avant tout. Et quatrième bagaille, le conseil présidentiel est raciste et exclusiviste. Le pourquoi? Sous qui base que ou choisi entité sa yo pour qui choisit membre pour qui voyait
dans le conseil présidentiel. Est-ce que c'est parce que c'est eux-mêmes qui sont vraiment haïtiens? Est-ce que c'est eux-mêmes qui petit Dessalines? Est-ce que c'est eux-mêmes qui petit Pétion? Est-ce que c'est eux-mêmes qui petit Capois-la-Mort? Ou bien c'est eux-mêmes qui vrai petit pays? C'est-à-dire, dans ce sens-là, le conseil présidentiel est raciste et exclusiviste. Et si on apprend cinquième élément, nous sommes capables de dire, le conseil présidentiel, c'est un bagaille et qui sur le plan social qui pas adapté et sur le plan social il peut créer des déstabilisations et beaucoup plus grave en d'un pays parce que il pas capable de fonctionner ensemble automatiquement il pas capable de fonctionner ensemble pour gagner plus crise en d'un pays plus crise vous l'avez dit que plus pour ne pas quitter pays plus pour ne pas quitter Port-au-Prince plus pour ne pas dormir dans la rue plus pour ne pas gagner toute qualité problème pour gagner plus qualité grand goût pour gagner plus crise sociale en d'un pays et bien au regard de tout cela le moment n'est pas approprié pour mettre en place un conseil présidentiel pour résoudre la crise haïtienne. Actuellement, le conseil présidentiel n'est qu'une extrapolation de la crise haïtienne d'un pôle à un autre pôle au profit de la communauté internationale et au détriment des intérêts nationaux. Il y a des acteurs qui disent, je vais regarder le dernier point ça avec beaucoup de pas moi-même, je suis certain, parce que je ne vais pas compter beaucoup de désirs. Il y a des acteurs qui ouais et qui parlent avec nous ici, là, qui montrent que ne qui des amis légaux dans aujourd'hui en d'un pays, hein? Il y a un problème dans sa gain la crise là. En même temps, tout, il y a un élément dans la solution. Et il y a même ouais, tout que ne ça à doué sous table discussion, sous table solution. Ou même comme acteur politique Ulysse Jean Chouinard, nous même dans le conseil, alors, dans la Cour cassation, nous avons conseil présidentiel par nous, alors, nous même qui allons vers la Cour cassation, est-ce que nous avons que, et avec proposition par nous, s'il t'a passé, mais si, nous, si la batterie, nous avons monsieur ça sous table discussion tout, comme solution. Même qui vous discutez avec. Que le projet que nous avons